On est dans la deuxième colonne. On est sur le sujet du fait qu'il existe des gens qui persécutent ceux qui sont dans la vérité, comment il y a des gens qui sont dans la Torah et qu'eux-mêmes ils se sont fait attraper par des façons de voir les choses qui sont pas bien. Alors il dit que quand on est arrivé en haut de la deuxième colonne, qu'il laisse tout le Ham Israël, lui, etc., il attaque les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah. Comment il les attaque? Avec des Shidim Yudaim, c'est-à-dire des démons juifs qui s'habillent dans les Lomdim, c'est-à-dire qui prennent comme résidence des gens qui étudient la Torah, c'est-à-dire qui se mettent chez des gens qui étudient la Torah. Et des Talmidei Chachamim, des érudits en Torah qui ne sont pas parfaits dans leur comportement. Moshe Neymar Bezohar Kadosh, comme c'est dit, c'est ramené dans le Zohar. Ou Bifrat Beraya Memna, c'est ramené dans Reya Memna, c'est-à-dire le berger de confiance, c'est Moshe Rabbeinu, et Parashat Naso. Dans Parashat Naso, il parle de ce principe-là. Achinitraktem Nibam Shelakshirim Amitib, jusqu'à ce que maintenant leur cœur, il se tord, c'est-à-dire ils commencent à voir les choses tordues sur des gens qui sont cachers. Au matériel, au metzavim, le haute femme. Et ils permettent, et ils ordonnent même de leur faire du mal, de les poursuivre. Parce qu'ils cherchent à trouver chez eux des choses qui ne vont pas. Jusqu'à ce que ça devienne pour eux une mitzvah de les poursuivre pour rien. C'est écrit, qui est-ce qui fait des disputes? Qui est-ce qui parle? Rochetevont, Chacham Shed Yehudi. Alors, Siach, le mot Siach en hébreu, ça s'écrit Shin Yud Chet. Alors, Chet c'est Chacham, et Shin c'est Shed, et Yud c'est Yehudi. Chacham Shed Yehudi. C'est-à-dire un érudit en Torah, mais que Behemet c'est un démon juif. Shemimenu Kola Medanim va arriver à Machloket. Que de lui viennent toutes les disputes et toutes les confrontations et les accusations qu'il va y avoir. Comme ça, c'est amené dans la Torah, Chafret, dans la Torah 28, dans l'Écouté Moharan, une Torah qu'on a déjà étudiée, Beyoun. Ceux qui veulent voir peuvent regarder dans le site, ils peuvent étudier toute la Torah. Maintenant, d'où vient tout ça? Comment quelqu'un il peut se transformer en quelqu'un qui a de la Torah, quelqu'un qui a étudié la Torah, comment il peut devenir un persécuteur de la vérité? Alors que lui-même, quand il a commencé à étudier la Torah, ou bien il avait une intention qui était bien, c'est pas pour, il n'a pas été étudier la Torah pour savoir comment il va faire du mal à des gens qui sont cachers. Et lui, il voulait étudier la Torah, et c'est tout. Il est rentré, il avait une bonne intention pour connaître Hachem, pour faire connaître Hachem. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il s'est passé que maintenant il est devenu quelqu'un qui persécute les gens cachers? Comme vous voyez dans la politique ou autre, il y a des gens, ils rentrent, ils commencent. Et Mistama, quand ils ont commencé, quand ils avaient 20 ans ou 25 ans, ils n'avaient pas l'intention de faire des catastrophes mondiales. Et après, quand ils ont commencé à prendre un peu de la bedaine, ils ont pris un peu d'âge, ils ont commencé à faire des bêtises. Et ils commencent à dire n'importe quoi. Alors quand ils étaient plus jeunes, ils étaient sincères. Il faut leur donner au moins ce crédit-là, que quand quelqu'un commence, il ne va pas pour faire du mal. Il ne va pas prendre quelque chose pour aller faire du mal. Justement, c'était pour faire du bien. Mais après, petit à petit, il s'est fait détourner. Chez les Mala, Enoyotse Kim Or Pashut, parce que d'en haut, il ne sort qu'une lumière qui est neutre. Ulmata Unstayer le Kolecha de Fia Klishelo. Et en bas, ça se dessine toujours selon le récipient. Aïncham Hetev va voir là-bas. Jésus Uprina Zacha Nasita Torah Laosam Chaim. Que comme c'est écrit, celui qui a le mérite, alors la Torah, elle devient pour lui une potion de vie. Il n'a pas le mérite, la Torah ça devient pour lui quelque chose, un poison. Et c'est de là-bas
qu'il y a le Ikar de la Bechira. C'est là-bas où il est le libre arbitre. Le libre arbitre, il va être au moment où il va recevoir l'enseignement. Comment il va recevoir l'enseignement? C'est là où ça va, c'est là où tout va se jouer. C'est-à-dire dans quel état il est quand il commence à ingurgiter l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement, il va prendre la forme de ce qu'il est. Comme on en a parlé plusieurs heures dans les shiurim d'avant, que maintenant la chokhma, elle va prendre la forme des midot, des mesures de la personne. C'est-à-dire si la personne, elle a des mesures qui sont pas bonnes, alors il doit faire extrêmement attention quand il étudie la Torah de ne tirer aucune conclusion de ce qu'il étudie, aucune conclusion de par lui-même. Même les conclusions, il faut qu'il les prenne d'un maître, parce que s'il prend des conclusions dans l'état où il est, il peut arriver à des catastrophes. Il peut non seulement se détruire à lui, mais il peut détruire les autres aussi. Il peut faire des catastrophes. Alkel Mishirotse Lachus al Chayav Anitzrit, celui qui veut avoir pitié de sa vie éternelle, Sarich Litzok Arbel Hashem Itbarach, il faut qu'il crie beaucoup vers Dieu, ou le Kaven Da'ato Hashem Itbarach Bechol Et, et d'orienter sa conscience vers Hashem à chaque instant, ou le Vakesh Milefanav Itbarach Sheulichehu Bederech Hayashar, et de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il le dirige dans le chemin de droit. Ba'emet le amito, dans la vraie vérité. Velo yanichenu letot et atzmo klal, et qu'il ne laisse pas se tromper du tout. Kizek lal gadol shebedech shadam rotze lelech molichim oto. Parce que ça, c'est un grand principe, que dans les chemins où la personne elle veut aller, alors on va la diriger dans ce chemin-là. Kmo shematzenu etzel Bilam, comme on a trouvé chez Bilam, chez Amarlo Hashem Itbarach, Lech Imahem, qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, va avec eux. Avant, il a demandé à Hashem, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avec Balak ou pas? Alors Hashem lui a dit, ne va pas avec eux. Après, il a redemandé, alors Hashem lui a dit, va avec eux. Parce que maintenant que lui, il a décidé de faire ce qu'il voulait lui, alors ça s'est passé, il a changé d'aiguillage complètement. Quand il a demandé la première fois, c'est-à-dire il est venu s'adresser, il est venu demander à vraiment à Hachem, qu'est-ce que je dois faire? Hachem lui a répondu, tu ne vas pas avec Balak, reste tranquille, ne va pas avec lui. Pourtant il était, Bilam c'était quelqu'un de tordu complètement, mais il a demandé à Hachem, Hachem lui a dit ne va pas avec lui. Maintenant, quand après il a insisté, il a dit bon, mais ils sont venus me chercher et tout, donc qu'est-ce que je fais en fin de compte? Mais maintenant Hachem lui a dit déjà de ne pas aller avec lui. Maintenant lui vient, il a commencé déjà à dévier la chose. Hachem lui a dit, donc tu veux aller avec eux, donc va avec eux. Va avec eux. C'est-à-dire que maintenant Hachem il va l'accompagner dans son mensonge. C'est-à-dire que c'est très fin, parce que la Bechira, elle est très très fine. Le libre arbitre, il est très fin. Parce qu'il y a des gens qui vont demander quelque chose. Et alors avant qu'ils demandent quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de demander, Béhémeth. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une question, m'a demandé que Rabbeinu dit qu'il a maintenant ses faire abidot, que c'est pas bien de faire grandir un chien à la maison. Rabbeinu dit là-bas, je ne sais pas ce que c'est un mel, si bien Kev la Géoula, il y a quelque chose que c'est pas bien d'avoir un chien que à la maison. Qu'est-ce qu'il dit? C'est des accusations. Ça amène des dinim. Ça réveille de la rigueur. Alors maintenant, des gens, ils demandent, ils disent, mais comment ça se fait, tout, les animaux, les trucs, etc. Alors il y a des gens qui ont lu ça, alors ils ont voulu dire à leurs amis, ils avaient des chiens, alors ça les a énervés, trucs, etc. Mais maintenant, il faut commencer par la case départ, déjà. C'est-à-dire maintenant, ce qu'il va te dire Rabbi Nachman, tu vas lui faire confiance ou pas? Si tu ne vas pas lui faire confiance, pas la peine que je te donne des explications, parce que toi, tu as déjà décidé où tu vas aller. Maintenant, est-ce que toi, tu cherches la vérité? Tu cherches la vérité? Alors, je vais te dire la vérité. Et les explications, si tu veux, on va te donner aussi des explications, si ça peut t'aider à avaler la pilule. C'est-à-dire, si maintenant, c'est un peu dur pour toi,
Alors, on va te donner un peu d'explication pour te permettre de prendre la chose. Maintenant, si tu viens et tu vas demander, tu viens maintenant, tu ne fais pas confiance, c'est-à-dire tu vas remettre en question la parole que le tzadik il a dit. Le tzadik il a dit, c'est pas bien d'avoir un chien à la maison. Ok. Maintenant, tu viens, tu dis, voilà, ce qu'il dit, tu viens, tu amènes tes déotes à toi. Tu dis, ouais, mais mes trucs, les animaux, et Hachem, il a dit, voilà, même on voit, Noach, il a sauvé les animaux. Voilà, tu vas commencer à faire des discours. Maintenant, au lieu de parler, au lieu de des explications, avant de commencer à expliquer, est-ce que maintenant, tu veux la vraie vérité, ou tu veux quelque chose qui a été vu et corrigé et interprété et manipulé par ta cervelle? Tu veux quoi? Si maintenant tu veux maintenant amener ta façon de voir les choses par rapport aux explications qui vont être données, alors je ne te donne aucune explication, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que moi je vais te donner des explications. Mais toi, comme tu as déjà pris ta direction, tu vas devoir encore aller argumenter pour détruire ces explications-là. Parce que toi, tu as décidé où tu veux aller. Maintenant, si tu veux écouter, si tu cherches vraiment la vérité, alors voilà, je vais te dire la vraie vérité, c'est que Rabbi Nachman, tu peux l'écouter. S'il te dit quelque chose, tu peux lui faire confiance que c'est vrai. C'est vraiment vrai. Maintenant, ça te dérange, ça te fait mal, ces trucs, ok. Après, on va arranger. On va un peu huiler pour que ça soit plus facile de t'engager. Mais est-ce que tu veux vraiment la vérité? Parce que si tu ne veux pas vraiment la vérité, ce n'est pas la peine. Ni que toi tu perds ton temps, c'est que moi je perds le mien. Continue, fais ce que tu veux, c'est tout. Maintenant tu te dis non, moi je ne savais pas, je m'excuse, j'avais un chien à la maison, etc. Et jamais je me suis douté que c'est un problème. Maintenant que j'ai entendu Rabbi Nachman a dit qu'il ne faut pas, alors, je ne veux pas, mais j'aimerais quand même savoir si c'est possible, de savoir pourquoi. Si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que les explications, elles sont quelque chose complètement secondaire. C'est-à-dire, c'est juste pour aider à accompagner la chose. Mais le Icar, c'est est-ce que maintenant tu cherches la vraie vérité. Et la vraie vérité, il faut que tu saches que jamais tu vas la comprendre avec ta tête. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Parce que si la vraie vérité, tu pouvais la comprendre avec ta tête, d'abord, tu n'aurais pas la tête que tu as, et la vérité, ça ne serait pas la vraie vérité. Comme il a dit Rabbi Nachman, heureusement que vous avez des questions sur moi. Parce que si vous n'avez pas de questions sur moi, alors je serai comme vous. Si vous pouvez me comprendre, alors ça veut dire que je suis à votre niveau. Heureusement que vous avez des questions et beaucoup de questions sur moi. Donc maintenant, quand la personne elle commence, il faut qu'elle sache dans où elle met les pieds, c'est-à-dire où elle veut arriver. Est-ce que maintenant tu vas arriver à émettre la mytho ou tu vas arriver à émettre à une vérité qui t'arrange? Si tu veux arriver à une vérité qui t'arrange, prends les livres, interprète-les comme tu veux et fais ta vie, c'est tout, comme tu veux. Maintenant, tu veux une vérité qui n'a pas un rapport avec ce que t'arrange, ce qui t'arrange pas, ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Tu veux une vérité pour la vérité elle-même. Alors là, tu vas chercher un maître et ce qu'il va te dire, tu vas le faire et tu vas pas poser de questions, c'est tout. Ça dépend ce que tu veux. Parce que c'est très fin. Tu demandes à Hachem, tu vois, Hachem, même à Bilam. Bilam, c'est un racha merucha. C'est un morceau de touma terrible. C'est un homme exécrable. C'est terrible ce qu'il est. Il demande à Hachem, est-ce que je vais avec Balak? Il y a Balak, il est venu me chercher. Qu'est-ce que je fais? Hachem lui dit, tu ne vas pas avec lui. Hachem, il le traite comme quelqu'un. Comme il aurait dit à un tzaddik, la même chose. Hachem, il lui donne, il lui sert la vraie vérité. Hachem, il lui donne le émettre les amito. Maintenant, lui, il vient, il dit, voilà, maintenant, ils sont arrivés, etc. Donc, qu'est-ce que je fais, en fin de compte? En fin de compte, on a décidé quoi? Souvent, les gens, ils vous disent ça. Vous parlez avec quelqu'un. Maintenant, ce que vous lui avez dit, il peut rien dire. Il peut rien dire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dévie un petit peu la discussion. Il va vous parler d'autre chose pendant un petit moment. Après, il reprend la chose
Et il dit, en fin de compte, on fait quoi là, avec le truc là? Que veut dire en fin de compte, on fait quoi? On a parlé, on a dit, on a décidé. Non, mais bon, on fait quoi alors? Alors si la personne te dit ça, elle dit, fais ce que tu veux, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas commencer à rentrer avec lui en truc. Maintenant, il vient ici, la nouvelle chef de la diplomatie européenne, elle dit, il faut deux États et il faut que Jérusalem, ça soit la capitale des deux États et tout. Maintenant, d'où tu sors ça? D'où tu sors ça? Ça que tu dis là, qu'il faut deux États, d'où tu sors ça? D'où ça sort ça? D'où tu l'as sorti? Tu viens d'arriver, ça fait 3 mois que tu as pris ce poste ou 2 mois, ok. D'où maintenant tu viens dans un pays où tu n'as jamais mis les pieds, tu vois une culture que tu ne connais pas, tu parles l'hébreu, tu parles l'arabe, tu as mangé des falafels, tu as mangé du houmous, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? D'où tu sors ça? D'où ça vient ça? C'est quoi ça? Ça vient de nulle part. C'est de la politique, des trucs, parce que tu es rentré dans... Alors tu te renseignes, tu dis, bon, il faut voter pour qui là? Il faut aller dans quel sens? Ah bon, ceux-là, il faut les trucs, les autres, il faut les démonter. Voilà, il faut aller dans ce sens-là. Ah ok, j'ai compris. Bon, mais ce n'est pas de la vérité, c'est rien du tout. Ça ne nous intéresse pas ce que tu dis. Ça ne nous intéresse vraiment, vraiment pas. Et si tu pouvais te taire, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, ça ne nous intéresse pas ce que tu racontes, Bilal. C'est basé sur rien. C'est basé. Nous, on est une histoire. On n'est pas quelque chose. Nous, on est ancré sur une terre qui c'est une terre qui est là. C'est pas une terre que maintenant on est en train de discuter de autour d'une tasse de café sur les qu'est-ce qu'on va faire avec les phoques qui sont en truc. On est en train de parler d'un peuple qui a des racines des millénaires dans un endroit. Qu'est-ce que tu connais de ça? De quoi tu te mêles? Tu peux pas dire je sais rien. Tu ne peux pas dire je sais rien, maintenant occupe-toi de te. Si tu as un sac que tu as acheté au supermarché ou un truc, ton sac, bon, tu connais les marques de sacs, etc. Tu sais que ça c'est mieux. Ok, c'est ton monde. Mais ne te mêle pas de ça. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu viens faire quoi là-dedans? Stam, faire des brasser, faire un peu de trucs. Alors maintenant, l'homme il vient, il rentre dans des trucs. Tu connais quoi? Tu connais quoi de ce monde? Tu connais quoi de la Torah? Ok, t'es arrivé dans la Torah. Très bien. T'es juif, ok, tes parents ils sont juifs, Baruch Hashem, ou tu t'es converti, Baruch Abba, pas de problème. Alors tu veux quoi? Alors, voilà, maintenant je vais commencer à étudier et je vais avancer, quoi. Je vais étudier. Mais tu vas étudier, tu vas comprendre quoi dans ce que tu étudies? Tu vas vers quoi avec, tu vas t'orienter avec quoi dans ton étude? Il faut déjà qu'on t'apprenne comment ça fonctionne. Tu cherches quoi dans la Torah? Tu cherches la vérité, le Emet l'Amito, la vérité pure. Alors voilà, il y a un maître, voilà ce qu'il a dit de faire. Voilà, prends. Ça tient sur une feuille, tu n'as pas besoin de plus que ça. Sur une feuille de papier, je t'écris tout. Tu prends ça, tu fais ça, c'est tout, tu es tranquille, tu vas réussir ta vie. Ok. Non, mais je veux comprendre. Ok, après tu vas comprendre. On prendra le temps de comprendre. Pour l'instant, on a besoin d'agir. Donc voilà le programme. Tu vas prendre ce programme et tu vas l'appliquer. Ah, tu dis, ah non, mais moi c'est pas comme ça. Moi j'ai besoin de comprendre et puis selon ce que je vais comprendre, après je dis, alors si c'est comme ça, tu n'as pas besoin de demander. Voilà, tu as tous les livres qui sont là. Prends-les, interprète-les comme tu veux et fais ce que tu veux de ta vie. C'est tout. C'est tout, je ne peux pas te dire autre chose. Maintenant, Avraham Avinu, il vient. Il achète Maharat HaMarpela pour enterrer Sarah, d'accord? Maintenant, il dit comme ça, oui. Tu veux émettre, il dit à Ephron, tu veux émettre ou tu veux émettre les amitos? Qu'est-ce que tu veux? Émettre, je te l'achète. Dis-moi le prix que ça coûte. 400 pièces d'argent, voilà. Elles sont prêtes là, déjà prends 400 pièces d'argent. Tu veux émettre les amitos? J'ai pas besoin de te l'acheter, c'est à moi. Si tu veux pas me le vendre, c'est à moi, parce qu'Hachem il m'a donné toute la terre. Mais maintenant je vais aller doucement avec toi, je vais pas rentrer dans émettre les amitos. Je vais rentrer dans émettre. Maintenant pour l'instant, tu es un Canaanéen qui est installé sur la terre d'Israël. Je te l'achète, tiens. La place, tiens, prends de l'argent et donne-moi cette place, j'en ai besoin. Maintenant, tu veux pas ça?
Alors il a dit guerre vetoshan. Elle a dit ou tu me considères comme étranger et je viens l'acheter, ou sinon en tant que toshav, en tant que résident, je vais venir avec la force de la loi et je vais la prendre parce que Hachem m'a donné toute la terre déjà. Donc maintenant il a vu que quand Ephron il lui dit bon mais entre nous, des amis comme nous, des frères comme nous, qu'est-ce que c'est 400 pièces d'argent? On ne va pas discuter pour 400 pièces d'argent. Quand il entend ça, Avraham Avinu, tout de suite il compte l'argent et lui donne. Parce qu'il dit ça, c'est quelqu'un, il a annoncé la couleur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vrai qu'on soit des amis, etc. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Hachem, il est Matzliach. Il lui a dit, tu es un prince d'Hachem. On a intérêt à être bien avec toi. On a vu que là où tu as mis la main, ça a marché. Et là où les gens qui ont voulu te faire du mal, ils ont été détruits. Donc on va se tenir à carreau avec toi. Ça n'est pas de problème, on est des amis. Mais l'argent, c'est l'argent, mon ami. Ça, cette terre, elle est à moi. Et truc et tout. Maintenant, Avraham Avinu, il va pas lui faire une violation de conscience. C'est-à-dire, il ne va pas venir lui détruire en lui disant, écoute, de toute façon, c'est à moi. Si tu n'es pas d'accord, tu sois d'accord ou pas, c'est Hachem qui me l'a donné, ça change rien. Il y a une façon de répondre. Donc, quand la personne elle pose une question, il faut savoir qu'est-ce qu'elle demande. Quand quelqu'un il s'engage dans la Torah, il faut savoir qu'est-ce qu'il veut. Pourquoi il vient dans la Torah? Pourquoi il se rapproche du judaïsme? Pourquoi il se rapproche de la Torah? Qu'est-ce qui l'intéresse? Il intéresse d'utiliser cette méthode pour se construire par rapport à ce que lui va comprendre, ou il veut se construire par rapport à la méthode comme elle est dans l'origine. Alors tu veux la méthode, comme elle est dans l'origine, il y a un maître. Il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Voilà, il va te donner la méthode. Je dis, tu n'as pas besoin de plus qu'une feuille de papier, tout tient dedans. Maintenant, tu commences à vivre comme ça, et petit à petit, tu vas développer des connaissances. Des connaissances et des connaissances et des connaissances qui vont te permettre d'approfondir ton engagement, de le ressentir plus, de voir certaines choses, etc. D'enlever tout le poison qui a pu être mis dans ton cœur ou dans ton cerveau, il n'y a pas de problème. Mais attention, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu cherches? On va d'abord savoir ce que tu cherches. Maintenant, si tu dis non, moi je suis venu, je suis intéressé, c'est-à-dire je veux essayer de comprendre ce qui se passe là. Alors tu dis, tu as besoin de comprendre, tu n'as pas besoin de moi. Tu as tous les livres qui sont là, il y a des traductions de tous les livres et tout. Bah, et tu dis, tu as même le Zohar, il est traduit en français. Tu as tout ce que tu veux, vas-y, étudie, construis-toi ta petite, avec ta petite cervelle, construis-toi une vie, construis-toi une façon de voir les choses. Il y a aussi de la politique, il y a du judaïsme politisé, il y a du judaïsme, tout ce que tu veux. Il y a de la Kabbalah politisée, il y a tout ce que tu veux, vas-y, fais ce que tu veux. Pas de problème, choisis. Mais ça, il faut faire attention, parce que si tu choisis un, tu peux pas voir ce qui va voir l'autre. C'est impossible. Si tu veux choisir Emet Lehamito, c'est une chose. Et ça, ça coûte cher. Le Emet Lehamito, la vraie vérité, elle coûte cher. Parce que c'est un don de soi. C'est dur. C'est dur de se donner. Parce que tu vas dans quelque chose où le Maasé, tu n'as pas une garantie logique. Maintenant. Tu as une garantie parce que tu sens qu'il y a quelque chose de très fort. Mais tu n'as pas une garantie de logique. C'est-à-dire, dans ta logique, tu n'auras la garantie que le jour où tu n'auras plus besoin de la garantie. Alors à ce moment-là, elle viendra, la garantie. Le jour où tu seras tellement engagé que tu n'as plus besoin de garantie, ce jour-là, on te montrera toutes les garanties. Mais jamais on va te montrer les garanties avant que tu t'engages. Tous les tzadikim, ils ont toujours regretté les périodes où ils ont servi Hachem quand ils ne voyaient rien du tout. C'est-à-dire quand ils ne voyaient rien, ils n'avaient aucune révélation de rien. Rav Levi Yitzhak de Berditchev, tous des grands tzadikim comme ça, qui avaient l'habitude de fréquenter des niveaux de révélation très élevés. C'est-à-dire, ils voyaient des anges, ils voyaient des prophètes, ils voyaient beaucoup de choses. Ils montaient, ils avaient des visions extraordinaires. Mais toujours, ces tzadikim, ils ont regretté les périodes où ils ne voyaient rien. Où ils servaient Hachem dans la simplicité totale. Quelqu'un qui s'est engagé, et c'est tout, voilà, il étudie, il prie, il fait des tehillim, il est dans la tzedaka, il fait ça, il fait les fêtes, il fait le shabbat et tout, dans la plus grande simplicité et dans la plus grande intégrité. Parce que dès que tu commences à voir, c'est fini. Dès que tu commences à voir,
tu peux plus arrêter la machine, c'est fini. Parce que ça y est, tu as vu, c'est fini, on peut plus te dire, on peut plus te raconter des histoires. C'est fini, qu'est-ce que quelqu'un va venir, va te parler de quelque chose, il va venir essayer de te vendre de la philosophie ou de la politique ou des trucs, tu vas rigoler, tu comprends, c'est pas... Une fois que tu as vu, c'est pour ça qu'Hachem, il ne te fera voir qu'au moment où tu as plus besoin de voir pour ton engagement. Hachem, il ne va pas te montrer pour que tu t'engages avec ce que tu vois. Rabbeinu dit qu'on ne croit pas Hachem avec des miracles. Parce que les miracles, ça ne sert à rien dans l'engagement. Même si quelqu'un voit des miracles, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est s'engager avec de la Emouna, sans rien voir. La Emouna, c'est Emouna Trabalelot. La Emouna, c'est quelque chose qui fonctionne dans l'obscurité. C'est-à-dire, j'ai confiance et je m'engage, c'est tout. Et je ne comprends rien. Et après, quand j'aurai un niveau d'engagement qui sera assez fort pour ça, alors on me montrera des explications. Mais à ce moment-là, ces explications ne sont pas faites du tout pour consolider mon engagement. Ces explications sont faites pour passer à d'autres niveaux de Emouna. Mais ce n'est pas pour consolider mon engagement. Tant que j'ai besoin d'explications pour consolider mon engagement, on ne m'en donnera aucune explication. Et en général, les tzadikim qui sont des gens qui sont clairvoyants, c'est comme ça qu'ils font. Quand la personne elle demande quelque chose, qu'avec cette chose-là, elle cherche des renforts, elle cherche des appuis pour pouvoir s'engager, les tzadikim ne vont pas lui répondre du tout. Quand la personne elle est engagée, et maintenant elle demande juste son chemin, ils lui ouvriront le chemin, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est le sort de la Bechira, ça c'est le secret du libre-arbitre, et il est très fin, c'est pas quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est très intime dans la personne, pas quelque chose qui se voit à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de lui-même? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Il y a des gens qui viennent et disent, voilà, Rabbi Nathan, il vient chez le Rebbe, le Rebbe dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux tout. Moi, vous me mettez la totale, vous me mettez tout, je veux tout. Alors Rabbeinu rigole parce qu'il dit, mais tu sais ce que ça veut dire, tout? Il dit, non, je sais pas, mais je veux tout, c'est tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et attachez-moi bien que je ne me sauve pas, c'est tout. Mais moi, je veux tout. Donnez-moi tout. Et tout. Je prends tout. Mais ça coûte cher. Dis ça, je ne regarde pas le prix. Je veux tout, c'est tout. Donnez-moi tout. Et après, regarde, Rabbi Nathan, lui-même, il a dit, je suis le cerveau du monde. Il a dit lui-même, il a dit, je suis le moir du Olam. Rabbi Nathan, il est devenu le cerveau du monde. Comment il est devenu cerveau du monde? Par une annulation totale, c'est tout. C'est vrai que lui, c'était un chercheur. C'est vrai qu'il avait des outils de Torah. C'était déjà un érudit en Torah, c'était déjà un Dayan, c'était déjà lui-même un tzaddik. Rabbeinu l'a dit sur lui, c'est déjà un tzaddik avant même qu'il se rapproche de Rabbi Nachman. Mais seulement, il y a les deux côtés. Parce que si c'était un tzaddik comme on a vu avant, si c'était un tzaddik qui a été manipulé ou qui a manipulé de la vérité, jamais il aurait reconnu Rabbi Nachman. Il l'aurait vu comme un opposant. Il l'aurait pas vu du tout comme quelqu'un qui pouvait l'aider à progresser. Et lui, il avait son beau-père, Rabbi Nathan, qui avait un cours tous les jours d'une heure pour parler contre les chassidim et la chassidoute. Son beau-père, qui était un très grand tzaddik, il parlait tous les jours une heure contre les chassidim pour dire n'allez pas chez les chassidim, ne faites pas, etc. Pourquoi? Parce que c'est des gens que la Torah qu'ils avaient, elle s'est transformée avec la galoute. Petit à petit, elle a été transformée, récupérée avec la galoute. Du moment où il est venu, Rabbi Nachman, qu'il est venu mamash pour aider, et le Baal Shem Tov d'abord, quand le Baal Shem Tov il est venu, déjà ils l'ont rejeté. Ils ont dit c'est quoi ce Baal Shem Tov, etc. C'est pas... Ils ont commencé à déformer son message, ils ont commencé à faire des histoires contre lui, etc. Des très grands, c'était les plus grands cerveaux de la génération. Et ils se sont trompés complètement, pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont tellement habitués à réfléchir qu'à un moment, ils ont dévié. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont dévié. Parce qu'ils réfléchissaient tout le temps. Ils avaient l'habitude d'aller avec de la réflexion dans la Torah. Alors, cette réflexion, petit à petit, elle les a fait dévier et ils sont arrivés à autre chose. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas 100% propres pour pouvoir manipuler des idées qui viennent qui sont le sujet de réflexion. Il peut pas maintenant tant qu'il réfléchit sur des sujets
qui sont des sujets pratiques de la Torah, que c'est sur la viande cachère, sur les mezuzot, sur les tefilines, sur les sifrei Torah, sur tout ce qu'on veut, la kashrout, toutes les halakhot et tout, il peut rentrer là-dedans et réfléchir avec les outils de la Torah. Maintenant, quand il s'agit de l'ashkafa, c'est-à-dire des orientations à prendre, alors là, c'est les ashkif, comme on a dit, quand on dit ashkafa, dans la Torah, les ashkif, c'est toujours midat adin. Quand on dit ashkif, ça veut dire c'est le haut qui va regarder le bas. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un cherche une orientation dans sa vie, il a intérêt à aller chez le plus grand maître et à se soumettre complètement. Et c'est le chemin le plus court pour arriver à tout. C'est vraiment le chemin le plus court. Alors que tous les autres chemins, c'est il va rentrer dans des chemins, des labyrinthes, de chorma et de réflexion, et qu'il sait dès le départ que son cerveau, il va pas pouvoir interpréter de façon exacte les informations. Ça, c'est la différence entre émettre et émettre les amitos. Émettre, c'est manipulation de la vérité. Émettre les amitos, je suis manipulé par la vérité. Je choisis, c'est tout. C'est un choix. Alors maintenant, dans la personne, il va y avoir ce tiraillement. Maintenant, Bilaam, il demande, voilà, Hachem, il lui a dit, ne va pas avec eux. Après, il redemande, il lui dit, va avec eux. Alors maintenant, quelqu'un qui voit de l'extérieur, il dit, mais c'est quoi la vérité? Alors la vérité, ça dépend ce que tu veux. Tu veux émettre les amitos, ne va pas avec eux. Tu veux émettre, va avec eux. Comme il a dit Rabbeinu à celui qui devait aller à Saint-Pétersbourg pour faire du commerce, alors il est venu demander au Rebbe. Alors Rebbe lui a dit, tu vas aller dans une chambre et tu vas enlever tout intérêt personnel. Tu vas faire que pour toi que d'aller ou de ne pas aller, c'est la même chose. Tu vas sortir complètement de la chose. Tu vas dire, voilà, Hachem, ce qu'il veut, je fais. Moi, même si j'ai envie d'aller, je ne veux pas considérer ça. Moi, je veux faire la volonté d'Hachem, c'est tout. Ce que Hachem, il me dit de faire, c'est ça que je vais faire, parce que moi, je veux servir Hachem. Et après, Rabbeinu lui dit, la première chose qui te vient à l'esprit, tu l'as fait. Donc, Rabbeinu, il dit, comme lui, il voulait aller. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui est venu à son esprit tout de suite? C'est qu'il fallait aller. Alors, il a été. Mais pourquoi Rabbeinu ne lui a pas répondu? Rabbeinu ne faisait pas ça avec les gens. Rabbeinu, ceux qui demandaient à Rabbeinu, lui répondaient, Béhémet. Répondait Béhémet. Ici, il y avait des skénim de Breslev, il y avait Rav Shmuel Shapira, il y avait Rav Levi Yitzhak, il y avait Rav Chechin, il y avait Rav Vassilski, il y avait Rav Arié Shapira, il y avait Rav Yudel Efrank, il y avait beaucoup de gens, il y avait Rav Israël Berodesser, tous ces gens-là. C'est des gens qui voyaient. Pourtant, tu vas voir qu'il y a des gens qui veulent leur demander des choses, ils répondaient, mais alors des trucs incroyables. Incroyable. Tu étais à côté, tu entendais ça, tu disais, mais pourquoi il ne lui dit pas? Pourquoi il ne lui dit pas? Parce qu'il voyait que cette personne, ce qu'elle cherche, ce n'est pas émettre les amitos. Elle cherche le émettre. Il dit, émettre, c'est pas... ça ne m'intéresse pas. Il y avait à Aix-les-Bains, Raveliovitch à la Vachalom, il avait raconté à Rav Besançon qu'il avait fait un restaurant cachère. Parce que c'est une ville de curistes où il y a des gens qui viennent faire la cure. Pour qu'ils aient de quoi manger cachère, il a fait chez lui un petit restaurant cachère. Alors une fois, il se promenait avec son fils dans la rue. Et il y a quelqu'un, un curiste qui passe et il lui dit « Est-ce que vous connaissez un endroit où de cuisine juive, on peut manger des spécialités juives ?» Alors lui, il dit « Non, je ne connais pas. » Alors il continue à marcher. Son fils, il dit « Mais on a le restaurant cachère à la maison. » Il dit, il ne m'a pas demandé un endroit pour manger kasher, il a demandé des spécialités juives. Il dit, moi, ce n'est pas pour ça que j'ai fait le restaurant. Je n'ai pas fait des restaurants pour spécialités juives. J'ai fait restaurant pour des restaurants kasher. Ça n'a rien à voir. Donc, si tu veux, spécialité juive, c'est émettre. Restaurant kasher, c'est émettre les amitos. Ça veut dire que tu veux manger cachère. Tu n'es pas en train de dire, ah non, mais je préfère la viennoise, qu'elle soit comme ça, ou le vin, il ne faut pas qu'il soit trop frais ou trop très. Ce n'est pas ça que tu cherches. Tu cherches d'abord, tu veux manger cachère. Ok. Maintenant, une fois que tu as trouvé le restaurant cachère, on te donne le menu, tu prends ce qui te plaît, d'accord. Mais ce n'est pas ça que tu cherches, les khatrila. Tu ne cherches pas t'es pas venu chercher des spécialités juste de cuisine juive. Tu es venu, tu veux manger kasher. C'est-à-dire, tu viens, toi tu cherches la vérité. Et tu es prêt à payer pour cette vérité-là. Alors on va te dire la vérité, c'est tout.
Mais si tu viens, tu dis, je voudrais des renseignements sur la vérité, on va te dire, bureau de renseignement, ils sont fermés. On dit, alors comment on fait? Ben voilà, vous avez des livres, prenez, potassez les livres et vous allez trouver, c'est tout. Il n'y a pas, pas besoin de moi. Allez chercher, c'est tout, débrouillez-vous. Et les sadikim, ils sont... Tous, ils avaient cette attitude-là. C'était très dur de voir ça, parce que tu vois, toi, tu ne te rends pas compte. Tu vois que tu es perdu. Et tu vois quelqu'un de perdu aussi qui vient, et à toi, il t'a répondu, à lui, il n'a pas répondu. Tu viens, tu poses une question, il te répond. Il y a un autre qui vient, il pose une question, il ne répond pas. Il lui dit, pourquoi tu me demandes? Moi, je suis pas... Qu'est-ce que je sais? Moi, je ne sais rien du tout. Moi, je ne sais rien. Pourquoi tu me demandes? Je ne sais rien du tout. Alors, tu peux dire, oui, mais c'est cruel, pourquoi il ne lui dit pas? Mais non, ce n'est pas que c'est cruel. Il ne veut pas lui dire. Il ne veut pas lui dire, parce que si jamais il lui dit... Maintenant, si jamais il lui dit à Bilam... quand il lui demande la deuxième fois, s'il lui dit, tu sais, je t'ai déjà répondu, alors gare à toi si maintenant tu vas avec eux. Ça va passer tout de suite à un autre niveau. Il va rentrer en confrontation, et en confrontation il a perdu. Parce que tout de suite la rigueur va venir sur lui, elle va le détruire. Donc on le fait passer sur un autre système, sur un système de pilotage. De pilotage du monde qui s'appelle les forces naturelles avec les astres, l'astrologie, les trucs, etc. Toute la logique du monde, etc. Qui est Emmet. Là-dedans, il y a du Emmet. Tu prends les astres, tout ça, il y a du Emmet. Mais si tu veux les Emmet, les Amitos, alors c'est plus les astres, c'est fini, il y a autre chose. Il y a autre chose dans le monde. Maintenant, ça dépend ce que tu cherches. Tu veux vivre avec la Gacha Pratit. Tu veux vivre avec la providence, c'est un système. C'est le système de la providence. Mais le système de la providence, c'est émettre les amitos, c'est la vraie vérité. C'est pas quelque chose que... c'est pas qu'il n'y a pas de réflexion là-dedans. Il n'y a pas à moitié. Comme il dit ici, les mots qu'il dit ici, Rabbi Nathan, il parle de la prière. Il parle de la prière. Mais il ne parle pas que de la prière. Dans les mots qu'il dit, il dit « Celui qui veut avoir pitié de sa vie éternelle. » Voilà, quelqu'un, il est de passage sur terre, tu comprends? Et il a pitié de sa vie. Est-ce qu'il veut rentrer dans une vie éternelle? Il a pitié de sa vie. Alors combien il doit crier devant Kadosh Baruch Hu? « Ul kaven da'ato l'Hashem Yitbarach bechol et » C'est pas que prier. Prier, il faut qu'il prie, ça c'est sûr. Mais aussi, il faut qu'il soit « mekaven » sa conscience. Il faut qu'il oriente toujours vers Hashem. Il ne peut pas lâcher. Il peut dire, il ne peut pas laisser maintenant, maintenant écoute, je te laisse et je reviens te chercher. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Comme quelqu'un il m'a raconté cette semaine, il m'a dit, je ne sais pas, il voulait faire des courses ou des trucs. Alors il a dit à sa femme, regarde, toi tu fais ça et ça, moi je vais aller faire les courses et tout, on va se retrouver après, je viens te reprendre et tout. Sa femme lui a dit, moi je ne me suis pas marié pour que toi tu vas là-bas et moi je vais là-bas. Moi je me suis marié pour être avec mon mari, donc on va faire ce qu'il y a à faire, on va ensemble, on va faire tout ce qu'il y a à faire. Maintenant il y a des gens, ils sont très bien avec Hachem, ils aiment beaucoup Hachem. Ils disent, Hachem, voilà, je prie, je te demande tout. Mais il y a des moments où il dit, attends, tu m'attends là, et je reviens te chercher. Dans quelques heures, on se retrouve. Mais Hachem, il ne veut pas ça. Ça, ce n'est pas émettre les amitos. Émettre les amitos, ça veut dire que tu ne lâches jamais. Tu ne le lâches pas. La conscience, tu ne la lâches pas. Tu sais, tu vis avec Hachem, c'est tout. Il y a un créateur, il y a un créateur qui est là, et qui est effectivement là, et que c'est lui qui régit tout le monde. Et que lui peut transformer toute la nature pour te donner ce qu'il a besoin de te donner. S'il a besoin de te donner à un moment quelque chose, eh ben cette chose-là, il va te l'amener. Et si elle n'existe pas, il peut la créer pour toi. Il n'y a pas de problème. Si tu es avec lui. Si tu es avec lui, il va être avec toi encore plus que toi tu es avec lui. Lui, il va créer des systèmes pour toi. Uniquement pour toi, il va te créer des systèmes. Mais si tu n'es pas avec lui, alors il te met sur le pilotage des lois naturelles. Et là, tu vas payer, tu vas faire la queue comme tout le monde, et tu vas attendre qu'on te donne ton ticket, tu prends ton ticket, et tu vas prendre ton truc, etc. Maintenant, tu veux émettre les amitos, c'est vrai que ça coûte cher.
Et mettre la mytho, ça coûte cher, parce que c'est un don de soi. Mais seulement tu récupères tous les avantages, c'est-à-dire que tu vis dans une prise en charge totale d'Hachem. Hachem, il te prend en charge totalement. Et chaque seconde de ta vie, il est avec toi. Et il va t'indiquer tout ce que tu dois faire dans ta vie. Et même si tu dois te tromper, s'il y a des moments où tu vas te tromper, il va t'éviter de te tromper. Même si tu ne comprends rien. Comme on dit chez Shomer Petahim Hachem, Hachem, il garde les fous. Il protège les fous. Quelqu'un, il est fou. Il veut faire quelque chose, il est fou. Par exemple, il va acheter quelque chose. Et c'est une folie, c'est pas ça qu'il doit acheter. Mais Hachem, il va le protéger, il ne va pas l'acheter. La personne ne va pas vouloir lui vendre le truc, sa carte de crédit, elle ne va pas marcher. Il va la passer, il dit non, refuser. Truc, il va se passer des trucs. Hachem, il le prend en charge, il n'y a pas de problème. Même dans sa folie. C'est pas maintenant qu'il faut être un tzaddik pour vivre comme ça. Parce que là, Hachem, il s'adresse à Bilam. Il ne s'adresse pas à un tzaddik. C'est pour vivre les mettre la mytho, il n'y a pas besoin d'être un tzaddik. Il y a besoin juste de s'engager parce que tu as compris que c'est le meilleur système qui existe. C'est pas que tu es un tzaddik, tu peux être fou complètement, ça change rien. Du moment où tu t'engages avec Hachem, Hachem il s'engage avec toi. Donc il précise ici, tu vas prier, tu vas crier vers Hachem, mais surtout, tu vas faire attention que tu vas être mekaven da'ato, l'Hachem Yitbar, ta conscience, tu vas l'orienter tout le temps vers Hachem. Bechol et, tout le temps. Et tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, emmène-moi sur le chemin de la vérité. Dans le émet le amito. Je ne veux pas un émet vu et corrigé par l'homme dans ce monde. Je veux un émet vu par Hachem lui-même. Je veux que ce soit la vérité comme Hachem il la conçoit. Pas comme c'est vu par l'homme. Vous voyez Yosef, ses frères, ils le prennent, ils le vendent. La Shrina, elle est avec eux. La Shrina, elle est avec eux. Parce que ils sont dans les lois du Emet. C'était un Bet Din, ok. Ils sont réunis, ils ont dit, ouais, c'est Yosef ce qui fait truc, etc. Ils l'ont jugé par rapport au Lashon Hara qu'il faisait, etc. Et ils ont décidé ce qu'ils ont décidé. Maintenant, la Shrina, elle était avec eux. C'est-à-dire la partie d'Hachem qui est dans les Midot de ce monde, qui s'appelle la Shrina, elle était avec eux. Et ils ont décidé ce qu'ils ont décidé. Ça s'est fait. Mais le Midrash dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas... À quoi ils n'ont pas pensé quand ils ont fait tout ça? Il y a quelque chose à laquelle ils n'ont pas pensé. C'est à la peine qu'il allait avoir leur père. Ça, ils n'ont pas pensé à ça. Ça, ils n'en ont pas tenu compte. Parce que pour tenir compte de la peine qu'il va avoir le père, ça, c'est Emet et Amito qu'il faut chercher. C'est pas que Emet. C'est une autre dimension, tu comprends. C'est autre chose. De considérer que maintenant, Yaakov, comment il va être Yaakov, pendant combien de temps? 17 ans, combien d'années que Yaakov, il va pas savoir si Yosef il est vivant ou pas. Et ça, ils n'ont pas pris en ligne de compte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le Emet, mais pas dans Emet les Amito. Emet les Amito, c'est autre chose complètement. C'est une autre dimension. Maintenant, même la Shrina, quand c'est Emet les Amito, même la Shrina, elle ne rentre pas en ligne de compte. C'est ce qu'on a étudié jeudi soir sur le Oréach, c'est-à-dire la lumière de la huitième dimension. Parce que la vérité de ce monde, elle est dans cette dimension, parce qu'il y a sept jours, il y a sept midot. Mais il y a une vérité qui vient de la huitième dimension. Ça, c'est la vérité de l'invité. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, il parle avec Avraham Avinu. Maintenant, il y a des invités qui passent. Avraham Avinu, il laisse Hachem, il dit, excuse-moi, il invite les gens, et il les amène chez lui. Et après, il reprend sa discussion avec Hachem. De là, on apprend que c'est plus grand d'inviter quelqu'un que de recevoir le visage de la Shrina. Parce que la Shrina, c'est dans les sept midot, dans ces Aïn midot. Mais le Réar, c'est Or Chet, c'est la lumière de la huitième dimension. C'est-à-dire, quand il vient un invité, il vient d'un autre monde.
C'est pas des mesures de ce monde. Et on dit que quand tu reçois un invité, les maasés, qu'est-ce qui t'amène cet invité? Il t'amène une Torah que lui, il a récupérée dans son voyage. Parce que le fait qu'il est sorti de chez lui, donc il a décroché une Torah qui n'est pas une Torah habituelle. C'est pas une Torah des casanières, c'est pas une Torah des maisons. C'est une Torah qui est sur les chemins, qui n'est pas à l'intérieur. Et cette Torah-là qu'il a avec lui, il l'a fait rentrer chez toi et il t'amène cette Torah. C'est pour ça qu'elle est plus grande que la Shrina. La Torah qui va amener à l'invité, c'est plus grand que la Shrina. Parce que c'est Ochret, c'est la huitième dimension. Ça, c'est Emet, ça c'est dans le Emet les Amito. Si tu cherches ça, si c'est ça que tu cherches, alors à ce moment-là, c'est un autre mode de vie. C'est un mode de vie avec l'Ashgacha Pratit. C'est ce qu'il dit ici, Bader Hayasha, Baemet l'Amito. Velo Yanichenu Latot et Tatsmoklal. Et il ne se laissera pas tromper du tout. Rabbeinu l'a dit, je vous ai fait un cadeau. Il n'y a personne qui va vous rouler, Rabbeinu a dit. Vous-même, c'est-à-dire, c'est sûr que les gens ne vont pas vous rouler à vous, mais vous aussi, vous n'allez pas vous rouler. Vous n'allez pas vous rouler, les gens aussi ne vont pas vous rouler. C'est un principe général. Il faut savoir que là où la personne elle veut aller, on va l'accompagner, on va lui donner des moyens. Quand on voit chez Bilam, Hachem lui a dit va avec eux. Bien qu'Hachem ne voulait pas du tout qu'il aille avec eux. Il faut savoir que là-dedans, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses cachées. Parce que celui qui a compris ça, je peux vous dire qu'il a la clé du paradis, il l'a dans sa main. Parce que si quelqu'un il a compris ce qu'on essaye d'expliquer ici, à notre niveau, ce qu'on essaye de faire sortir, c'est la clé de la vie. Celui qui a compris ça, il a tout compris. Tout, ça y est, c'est quand tu as compris comment ça marche, ça c'est fini, il y a plus de, t'as plus de problème de ce que tu fais dans ce monde et où tu vas arriver. Kisham ikar abechira shiyichidush nifla, parce que là-bas se trouve principalement le libre arbitre, que c'est un chidush nifla, c'est quelque chose d'extraordinaire le libre arbitre. Yoter mikol achidushim vaniflaon shibara Hashem itbarach, parce que le libre arbitre c'est la chose la plus extraordinaire que Hashem ait créée dans le monde, de laisser à l'homme le choix. Ça, il n'y a pas plus extraordinaire que ça. Comme vous voyez, Besfarim, c'est écrit dans les Sfarim. Veikar abechira et prinat zot. Et tout le libre arbitre, il est dans cette chose-là. Veprinat bederech shadam rotzeleler molechim oto. Le chemin dans lequel l'homme veut aller, on l'accompagne. Donc c'est là où va se trouver le. C'est juste à ce moment-là où il y a le switch, c'est-à-dire qu'il va se faire. Est-ce que maintenant tu commences à rouler et après tu allumes le GPS pour qu'il te dise comment faire, ou bien non, avant de mettre la voiture en marche, tu allumes déjà le GPS et tu lui demandes est-ce que je dois y aller ou pas. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, est-ce que je dois aller ou pas. Dis-moi ce que tu me dis, je le fais, mais dis-moi avant que je démarre, c'est tout, c'est là où elle va se passer la chose. Il y a celui qui demande avant et il y a celui qui demande après. Celui qui demande, dès qu'il a démarré, il demande, ça y est, il est passé sur un autre système. Il est passé sur le système de l'assistana aux gens qui ont pris leur décision. Donc c'est deux choses complètement différentes. J'ai décidé de ce que je veux de ma vie, comme ils disent, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi, ça dit, fais-toi ce que tu veux et Hachem, il va devenir ton esclave. Il va faire de ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux devenir un homme d'affaires? Tu veux gagner beaucoup d'argent? Ok, vas-y. Allez, je te donne. Sois un homme d'affaires. Mais tu as demandé à Hachem si c'est ça que tu devais faire dans ta vie. Ça ne t'a pas demandé. Donc tu as changé tout de suite le branchement. Il n'est que là le switch, c'est tout. Le switch, il est là. Et vous verrez, quand vous allez essayer de rentrer là-dedans, vous allez voir combien de choses vous allez faire dans votre vie où vous n'avez même pas la vamina, vous n'avez même pas un moment la supposition, vous ne pouvez même pas, vous ne posez même pas la question de demander. Vous faites, après dit Hachem, aide-moi et tout, aide-moi que ça marche, les trucs et tout. Mais attends, de faire ça, tu m'as demandé, ça tu ne m'as pas demandé.
Maintenant, tu veux quoi? Que moi, je me mette à ton service, il n'y a pas de problème. Le chemin dans lequel tu veux aller, moi, je vais te donner les moyens d'arriver là où tu veux arriver. Mais ne crois pas parce que tu es arrivé que c'est vrai. C'est pas vrai. Tu veux du vrai? Avant que tu commences, demande-moi ce qu'il faut faire. Mais si tu as déjà commencé, ne me dis pas après que c'est vrai ce que tu es en train de faire. C'est ta vérité à toi. Comme David Ameler, il demande à Hachem, « Adricheni, olicheni be'amitecha. » Accompagne-moi dans ta vérité à toi, pas dans la mienne. Je veux la tienne, je ne veux pas la mienne. On te dit, mais tu sais mon ami, ça coûte cher, je paye le prix. Je donne ma vie, mais moi je veux la vraie vérité. Je ne veux pas de la vérité manipulée par moi-même, elle ne m'intéresse pas. Je veux de la vérité d'Hachem Mamash. Alors je vais dire Hachem l'Enegdit Amid, j'ai Hachem en face de moi tout le temps. Et je suis conscient tout le temps de sa présence. Dans tout ce que je fais, je suis conscient qu'il est là avec moi, qu'il m'accompagne. Donc je ne vais rien faire si je n'ai pas demandé avant, si je n'ai pas vérifié avant que c'est ça la volonté d'Hachem. Tant que je n'ai pas la vérité, que c'est clair, je n'avance pas, c'est tout. J'attends, je demande et j'attends, c'est tout. Mais moi, je ne m'engagerai pas tant que je ne suis pas sûr que c'est ça qu'Hachem veut. Et si je ne peux pas attendre, parce qu'il faut, il faut... Alors je demande. Et après, je fais ce que je peux en disant à Hachem, j'ai attendu, je ne vois pas clair encore, je ne sais pas quoi. Alors je fais ça, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Mais au moins on est toujours branché, tout le temps. On ne lâche pas, on ne fait pas des choses comme ça. Et la plupart des gens, ils font des choses... Combien de gens ils viennent et te disent là j'ai une grosse affaire là, je dois faire une grosse affaire et tout, priez pour moi et tout, que ça marche et tout. Mais si vous devez faire l'affaire ou pas, ça, vous n'avez pas demandé de prier. Ça c'est dans la poche, ça, il n'y a pas de problème. Ça c'est réglé déjà, que je dois faire l'affaire et tout. Maintenant ce que j'ai besoin, c'est qu'on m'aide, que du ciel on m'aide pour que ça marche. Mais demander si je dois faire l'affaire ou pas, ça c'est, j'ai pas demandé ça. Alors, veikara bechira et beprinat zod, beprinat bederer shadam rotse l'elech molichimoto. Comme chez Amour, Tenuzal, Abalitaer mesaim lo. Alors, comme c'est écrit, celui qui vient se purifier, on l'aide. Abalitame potrim lo. Celui qui veut se rendre impur, on lui ouvre. Celui qui vient se purifier, on va l'aider. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Amten, attends. Mais celui qui veut se rendre impur, on lui ouvre. Qu'est-ce que veut dire on lui ouvre? Il va voir, ça réussit, tac, tac. Tout marche, pas de problème. C'est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il veut se rendre impur. On l'accompagne, on lui ouvre tout. Mais celui qui veut se devenir pur, on l'aide. Comment on va lui l'aider? On lui dit, attends, on te prépare le terrain. Attends, on te prépare le terrain. On va te préparer le terrain et après tu vas pouvoir y aller. Comme chez Neymar, qui a ta amal, va kaas, tabit, la tête beyadecha, vechoule. Comme c'est écrit que toi, la fatigue, l'épuisement et la colère, tu vas regarder pour la tête beyadecha, pour mettre entre tes mains. C'est-à-dire que, ici, il doit parler d'un choix, je ne connais pas le pasouk par rapport à ce qu'on a dit maintenant, ce qu'il veut dire exactement, mais il doit parler de quelqu'un qui, toute la journée, il est dans les nerfs. Et dans la fatigue, parce que le Maasé, il est en train d'assumer son choix à lui, il est en train de payer son choix, c'est tout. C'est pour ça qu'il est énervé, c'est pour ça qu'il travaille dur, c'est pour ça qu'il est tout le temps dans l'amertume et dans la tristesse, et parce que c'est lui qui décide de sa vie. C'est pour ça que ça lui coûte tellement cher la vie. Tandis que s'il avait lâché, c'est tellement agréable, c'est tellement facile. Il se fait servir, c'est tout. Il se fait servir par le monde. Hachem, il a créé un monde au service de l'homme. Et l'homme, il s'est mis au service du monde. Hachem, il a créé le monde pour servir l'homme. Et l'homme, il s'est mis à servir le monde. Il croit que ce monde-là, il a besoin de lui. Mais ce monde-là, il était avant toi. Et il va être après toi. Tous les gens qui sont dans le cimetière, ils croyaient aussi qu'ils allaient apporter quelque chose au monde et qu'ils allaient être indispensables au monde. Ils ne sont pas indispensables du tout. Le monde, il va exister sans toi. Le monde, il n'a pas besoin de toi pour exister. Donc ne donne pas ta vie au monde.
Utilise le monde pour vivre, mais donne ta vie au monde. Ne vis pas pour l'argent. Aie de l'argent pour vivre, mais ne vis pas pour de l'argent. Tous ces choix-là que l'homme y prend, c'est ça qui lui rend la vie amère. La vie, elle est amère. Tu veux de la manne, mais la manne, elle est distribuée tous les jours. Même aujourd'hui, il y a de la manne tous les jours. Seulement, mets-toi dans la situation de celui qui demande la manne. Mets-toi dans la situation de celui qui attend la manne. Maintenant, tu ne veux pas attendre la manne. Tu veux mettre tes mains, toi, Dafka. Alors, vas-y. La manne en espagnol, c'est la main, non? Las manos, les mains. Tu veux? Allez, va, prends, fais avec tes mains. Les gens, ils veulent recréer le monde. Mais ça y est, il a été créé, le monde. Qu'est-ce que tu vas créer? Qu'est-ce que tu vas créer de trucs? Qu'est-ce que tu vas faire, le monde? Rentre tranquille, mets-toi à ta place. Sois une créature assistée par Hachem. Tu vas être le plus heureux du monde. Tu vas être la personne la plus heureuse qu'il y a sur Terre. Le jour où tu vas comprendre que tu es une créature et qu'on a mis un système pour te servir. Alors ça y est, utilise le système, c'est tout. Pour te servir. Mais ne va pas servir toi le système. Va pas toi encore ajouter dans le système et développer. Il n'a pas besoin de toi le système. Si Hachem il a décidé qu'il doit arriver, qu'il doit se passer quelque chose, quelqu'un il doit découvrir quelque chose, il va le découvrir. Rabbeinu dit non, c'est faire un midot. Il n'y a personne qui fait des inventions. Il n'y a que des gens qui font des découvertes. Mais pas des inventions. L'invention, ça n'existe pas. Ça existe la découverte. C'est-à-dire, découverte, c'est toujours. C'était là, on l'a découvert. Maintenant, pourquoi celui-là, il est découvert et pas l'autre? Parce qu'Hachem, il a décidé un moment. Voilà, maintenant, on va découvrir telle chose. La chose, elle s'est découverte dans le monde. Mais ne crois pas que c'est tes recherches et tout. Même si tu cherches rien du tout, tu vas le découvrir. Si Hachem, il décide que maintenant, il doit se passer quelque chose, qu'on doit découvrir quelque chose, on va le découvrir. Sans avoir besoin de passer des centaines et des centaines d'heures à travailler pour arriver. Mais seulement dans le chemin que l'homme veut aller, alors on l'amène. Maintenant, Hachem, lui, va amener cette chose-là. Et maintenant, comme la personne, elle croit que c'est elle qui se fatigue et qui comprend des choses pour aller faire ses découvertes. Donc il va être couronné par un prix Nobel d'avoir découvert telle chose et telle chose, parce qu'il a travaillé des années sur ce projet. Mais sache que si Hachem il a décidé que ce projet doit arriver dans le monde, tu n'as pas besoin de te travailler des années. Le moment où il doit se révéler, il va se révéler, c'est tout. Ce n'est pas du tout le résultat de la recherche de l'homme. La vie telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de la recherche de l'homme, du tout. Si Hachem, il a décidé que l'homme, il doit vivre comme ça, il vivra comme ça, c'est tout. Peu importe son niveau, c'est pas de recherche, de fatigue, etc. Alors que les gens, ils croient que non, que l'homme, il fait le monde. C'est pas l'homme, il fait pas le monde. L'homme, il fait rien du tout. Allez, il faut arrêter de croire qu'on crée le monde, qu'on le développe. Nous, on subit la vie. On fait pas la vie. Nous, on la subit. Il n'y a pas on est là en tant que créature. Alors, si tu nous as mis ici en tant que créature, tu nous as fait naître dans ce monde sans notre accord. Pourquoi Hachem t'a demandé ton accord pour venir dans ce monde? Hachem t'a dit, allez, tu sors dans ce monde, et où? Alors occupe-toi de moi, c'est tout. C'est simple, non? C'est pas difficile. Occupe-toi de moi, fais ma vie. Décide de ma vie, moi je sais pas. וזהיקר גלות השכינה שכל אחד כפי מעשיו כן הוא חובש ותופס את השכינה בקודשה ברחוק קרב יכול בגלות. Et c'est comme ça, c'est ce qui s'appelle la galoute, la shrina, l'exil de la shrina. C'est que chacun, selon ses actions, alors il emprisonne et il attrape la shrina. Et à Kadosh Baruch Hu, si on peut parler de la sorte, bagalout, il les tient dans l'exil. Acheneemar kviyachol en chavush matir et atzmo beta asurim. Comme c'est écrit, un prisonnier, il ne peut pas sortir de prison. Moshe Neemar bezohar kadosh kama pa'amim. Comme c'est dit dans le Zohar kadosh plusieurs fois. Alors, Bezat Hashem, demain, on continuera ce sujet-là, Bezat Hashem.